témoigner? Quoi? Je voulais juste remercier le Seigneur parce que la dernière fois que j'ai été invitée ici, c'était le 25 juin. Donc, c'était à Ivry. Je devais aller à Ivry. J'ai passé la journée à regarder YouTube parce que je n'étais jamais venue. Et il y a Freddy qui m'avait invité pour le 25 juin. Alors, le 24, je regardais tellement de cassettes de vous, de partout. Et j'ai vu aussi une cassette d'un frère qui vous cassait. Qui m'aime beaucoup. Qui vous aime beaucoup dans le Seigneur. Bon, alors, ça a mis une semence à moi. Et du coup, le doute m'a envahi. Et j'ai dit, Seigneur, dans le cas où cet homme est vraiment un homme de Dieu, enlevez-moi sa pensée de... Enfin, faites en sorte que je maintienne mon amour pour la parole et la vérité qu'il prêche. Et si c'est un Belzébuth, que ça s'arrête là. Freddy est parti à le 25, il est parti à Ivry. Et puis après, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'était bien? Il dit, mais tu peux regarder la vidéo? Alors, je me suis assise, c'était dimanche matin, j'ai regardé toutes les vidéos et celle du 25, j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé que si c'était pas un homme de Dieu, que je ne vienne pas, je ne regarde plus ces vidéos. Alors, j'ai fait 15 ans à Charisma et je suis un produit de l'évangile qui est dilué. Et aujourd'hui, quand je viens en vrai, ça n'a rien à voir avec YouTube. Je dis simplement, Chora, merci beaucoup. J'ai 3 garçons, je demande toujours au Seigneur, si tu m'appelles aujourd'hui, fais en sorte que mes enfants sachent qui tu es vraiment. Tu comprends ça? J'ai tellement mal de savoir que les gens peuvent mourir sans connaître Dieu. Et que surtout, si ce sont mes enfants, qu'ils vont aller en enfer. Alors donc, pour nous les adultes, je dis vraiment les jeunes, c'est quelque chose, c'est une grâce, on dirait la Pentecôte. C'est une grâce qui arrive sur nous. Et le Seigneur est en train de faire un tel travail. Je vous assure, il y a les vues sur YouTube se multiplient chaque jour. J'ai regardé ça. Donc je dis merci. Continue comme ça. N'aie pas peur. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Il y a une Bible pour toi à la fin. Ça m'encourage énormément.